mini rouleaux roulés choco amande. Qu'est-ce qu'il nous faut pour la recette, Soren? Alors, de la poudre d'amande, mm-hmm. de la levure, de la poudre au chocolat amer, du jaune d'œuf, du sucre roux, de la farine et du beurre mou. Ok, on va commencer avec les produits secs. Donc tu vas mettre le couteau pour pétrir, concasser dans le robot. Ok, et tu vas ensuite mettre la farine. Le sucre. La poudre d'amande. Et la levure. Fermez le robot. Maintenant, tu vas appuyer sur Pulse. Okay. Donc maintenant, tu ouvres le robot. Nous allons rajouter le beurre mou. Et les œufs. C'est pas grave. Ok. Non, pas le chocolat. Ok. Alors, Soren, tu vas en profiter pour aller te laver les mains et je vais refermer le robot. Alors, nous revoilà tout propre. Alors, maintenant, on va appuyer sur vitesse. Non, la vitesse. Oui, 6. Et le temps, tu montes jusqu'à 2 minutes. Ok, alors Soren, tu ouvres. Si votre pâte est trop sèche, n'hésitez pas à rajouter par le trou du couvercle quelques gouttes de lait. Alors Soren, tu vas enlever le couteau que tu vas poser assez loin de toi. Tu le tiens par l'embout pour ne pas te blesser. Vas-y, tire, c'est dur. Tire fort, 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 fort. Allez, tire. Oh, voilà, essaie d'enlever la pâte sans te couper. Voilà. Attention de ne pas te couper et de soulever un petit peu. Voilà. Tu me poses le couteau un petit peu plus loin. Et ensuite, tu vas prendre à peu près la moitié de la pâte dans ta main. Voilà, fais une boule et essaie de récupérer la moitié. La moitié? Voilà, tu essaies de prendre la moitié de la pâte. Environ. Voilà, et tu mets là-dedans. Est-ce qu'il en reste assez? Ouais. Soren, une fois qu'on a divisé la pâte en deux, tu vas mettre le couteau, tu vas réinsérer le couteau pour pétrir, concasser. Tu vas rajouter le chocolat, dedans. Le cacao amer, oui. Dedans. Oui, dedans. Et on referme pour un nouveau tour de mixage. Très bien. Voilà, donc là tu es déjà en vitesse 6, tu vas juste mettre une minute de temps. Voilà. Et démarrer. Une
fois terminé, on ouvre le robot. On enlève le couteau. Allez, oui. Oui. Fais attention de ne pas te couper. Enlève le couteau plutôt d'abord. Voilà. Tu le poses un petit peu loin. Et tu essaies de rassembler en une boule toute cette partie de pâte chocolatée. Et que celle qu'il y a dans le plat jaune. Non, tu la mets sur un papier sulfurisé que je t'ai mis sur la table. Ok. Elle n'aime pas beaucoup. Ok. Et maintenant, tu refermes le papier au-dessus. Voilà. Et nous allons la conserver au frigo durant une heure. Tant qu'elle durcisse un petit peu. Ok. Et tu vas faire ce pas grave. Et tu vas faire la même chose avec la pâte blanche. Oui, mais après, il n'y en aura plus assez si tu manges trop sereine. Allez, on fait une boule avec tes mains et tu la mets dans le papier sulfurisé. Elle, elle a pas du chocolat. Et parce qu'on va faire un roulé au chocolat et à l'amande. Celle-là, elle est à l'amande. Allez, tu la poses, sereine. Ok, et tu la roules. Ok, et ça va patienter une bonne heure. Il y a un petit gourmand qui a pris un bout de pâte au chocolat. C'est bon ? Oui. Bon, maintenant on va laisser ça une heure au frigo. Puis pendant ce temps-là, on va faire les devoirs.